qu'on peut acclamer très fort le nom du Seigneur. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire. Amen. Dis à ton ami, Dieu est là. Dieu est là. Oh, il t'a pas bien entendu. Dis-lui, Dieu est là. Dis-lui, Dieu est ici. Dis-lui, Jésus est ici. Ah, dis-le-lui en haute voix, Jésus est ici. Est-ce que tu peux encore l'acclamer très fort? Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Je vous prie de prendre place. Excellent après-midi. Aide-moi à saluer le roi, la reine qui est à tes côtés. Dis-lui, tu es au bon endroit et au bon moment. Dis-lui. Ah, il t'a pas bien entendu. Dis-lui, tu es au bon endroit et au bon moment. Gloire à Dieu. Merci, merci Jésus. Merci Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Bénissons le Seigneur pour ce deuxième service. Nous avons été richement bénis ce matin. Et cet après-midi aussi, Dieu a un rendez-vous avec quelqu'un. Amen. Nous sommes honorés depuis le vendredi. Nous sommes avec l'homme de Dieu, l'apôtre Jean Turpin, du Centre Réveil International qui se trouve à Ottawa, au Canada. Un homme merveilleux que j'ai eu à rencontrer depuis 5 ans et... À chaque fois, je me dirige vers le Canada. Je vais le chercher pour le saluer et pour qu'il prie aussi pour moi, pour nous. Vous savez, la Bible dit que l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus étant la pierre angulaire. Et c'est important d'avoir toujours des personnes qui en reconnaissent l'autorité spirituelle et qui aussi peuvent déclarer des paroles dans nos vies. Et depuis lors, j'ai toujours souhaité qu'il puisse passer, nous voir, mais le temps ne permettait pas avec les différentes multiples occupations qu'il a. Il est sollicité dans le monde entier, il fait un travail merveilleux. Et alors cette fois-ci, le Seigneur a permis, a fait grâce qu'il puisse être au milieu de nous. Et nous sommes dans la joie de l'avoir et de le recevoir. C'est pour cela que je veux demander à toute l'Assemblée d'acclamer le Seigneur pour son serviteur, son roi, l'homme de Dieu, le pasteur Jean Turpin du Canada. God bless you. Merci bien. Ndabakunda. Qui comprend ce que je viens de dire? Ndabakunda? Toute bagaille va bien? Ah! Amen, amen. C'est un honneur pour moi d'être ici ce matin, cet après-midi. Et je sais que Dieu va agir. Je connais mon Dieu et je sais qu'il est vivant. Amen, amen. Il est avec nous. Dis à ton voisin, prépare-toi à recevoir. Et si ça vous fait rien, je vais enlever mon manteau. Ça vous dérange pas? Merci. Hallelujah. Vous savez, dernièrement, on expérimente toutes sortes de guérisons, de miracles, mais comme j'ai jamais tant expérimenté. On voit les possédés qui sont infirmes. Quand le démon est chassé, les gens sont guéris de leur infirmité. On a vu les paralysés marcher, les aveugles voir, les sourds entendre, les boiteux marcher. Et dernièrement, ce que j'ai expérimenté, c'est ceux qui ont du ferment dans leur corps. Le fer disparaît au complet. Il y avait une dame ici à Toulouse qui avait 6 broches qui tenaient comme sa jambe. Et on a prié pour elle. Elle ne pouvait presque pas bouger. Et après qu'on a prié, elle pliait sa jambe et tout. Et un an après, j'ai su, elle a passé des radiographies et tout. Elle a été voir son médecin. Il ne trouve plus aucune trace de métal en elle.
tout a fondu, a disparu. Amen, amen, amen. Et vous savez, partout où je vais, je vois ces choses-là se produire. Amen, amen, ça réjouit mon cœur. Parce que mon fils me disait, il dit, tu considères-tu, c'est quand même notre Dieu qui est puissant. Il dit, c'est comme si le micro disparaîtrait de tes mains. Ça serait un bon miracle. Mais on voit, même la deux semaines passées, j'étais dans une église, une personne avait 4 vis comme ça, et tu le voyais, tu voyais les bosses dans la chair, et après qu'on a prié, les 4 vis ont disparu. Elle pouvait, la femme criait, « Mais ils ne sont plus là! Ils ne sont plus là! » Amen. Ça, c'est notre Dieu qu'on sert. Et je me réjouis de ce que Dieu fait. Des gens dyslexiques aussi. Des gens dyslexiques qui sont guéris au complet. Amen. Fait que je me réjouis de ce que Dieu va faire. Est-ce qu'il y en a ici qui ont des maladies incurables? Médicalement. Cancer? Personne? Ah, vous avez une église en bonne santé, pasteur. Écoutez bien, je crois que Dieu va utiliser cette église pour les guérisons, les miracles, mais au-delà de la normale. Amen, amen. Vous allez voir la gloire de Dieu éclater. Mais écoutez-moi bien, pasteur. C'est important que vous faites témoigner les gens de leur guérison. Écoutez bien. Qu'est-ce qui se produit quand on témoigne de notre conversion? Il y en a d'autres conversions. Quand tu témoignes, c'est pour ça qu'il appelait ça dans l'Ancien Testament l'arche de l'Alliance, c'est l'arche du témoignage. Et dans l'arche du témoignage, c'est là que la gloire de Dieu éclate. Et dans le Nouveau Testament, nous sommes cette arche du témoignage. Amen, amen, amen. Il y avait 3 choses dans l'arche du témoignage. Il y avait les 10 commandements et je. Tous les grands hommes de Dieu que je connais, amen, amen, ils ont la parole de Dieu dans leur cœur. C'est là dans leur cœur. Et je vous encourage, amen, lisez votre parole de Dieu. D'autres, amen, je remarque beaucoup dernièrement, il faut faire attention à ce qu'on mange. Je peux t'en avoir un amen? Il y a beaucoup de démons, je remarque, qui sortent juste par le jeûne et la prière. Et beaucoup de gens sont malades, écoutez-moi, parce que vous mangez trop. Il y a des gens, des fois, je les vois guéris, mais ils sont 50 kilos trop pesants pour leurs genoux. Leur genou n'a pas été fait pour cela. Est-ce que vous me suivez? Et des fois, les gens sont guéris, mais je leur dis, maman ou papa, mangez moins. Parce que Dieu ne vous a pas créé pour supporter tout ce poids. Très important. C'est pour ça que ces 3 choses étaient dans l'arche du témoignage et la verge d'Aaron qui représente. Je crois que cet homme de Dieu, pasteur Douglas, c'est un homme de Dieu. Amen, amen. Et quand tu es sous bonne autorité, tu fleuris. Tu t'épanouis. Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui monte jusqu'à Abraham. Hallelujah. C'est pour ça, c'est trop long. Mais j'explique cela. J'ai des séries. Je ne sais même pas s'il en reste. Je pense qu'il en reste une série. Comment est-ce une démonstration de puissance? Est-ce qu'il y en a? Il n'en reste plus. OK, excusez. Mais il y a quelques séries que j'ai amenées qui vont vous aider. Puis plus vous comprenez les Écritures, plus vous allez voir la gloire de Dieu. Et sur l'arche du témoignage, écoutez-moi, pasteur, quand vous allez faire témoigner, et c'est un homme de Dieu qui m'a appris ça, qui voit des miracles extraordinaires. Il dit, use ton témoignage jusqu'à temps qu'il soit usé. Fais-les témoigner jusqu'à temps qu'il s'en produise un autre. Et vous allez voir, plus vous allez témoigner des miracles, plus que Dieu va faire des miracles à Villeneuve-le-Roi. Amen. Et les gens emmèneront des gens sur des civières ici pour qu'ils soient guéris.
Frères et sœurs, il est temps que l'Église de Jésus-Christ se lève. Amen. Mon ministère ne repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse, Paul disait, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Qui transforme les gens. Amen. Et sous l'âge du témoignage, vous allez voir souvent quand j'opère, faut prier pour les malades et laisser Dieu, le Saint-Esprit, agir. Souvent, de la façon que je vois, moi, que les anges de Dieu sont là, et même le poil me redressit sur les bras. Et souvent, je sais que les anges de Dieu sont là pour m'aider à faire le ministère. Amen, amen. Et on voit souvent les gens transformés, guéris par la puissance de Dieu. Amen. Et je veux juste vous encourager, c'est tellement important. Et c'est pour ça mon message ce matin, cet après-midi, repose vraiment, écoutez bien, à travers de toutes vos paroles que vous allez dire. Ça produit, chaque parole que vous dites sont des semences. Sont des semences. Et tôt ou tard, qu'ils soient positives ou négatives, vous allez en récolter un jardin autour de vous. Amen, amen, amen. Vos paroles, c'est de la vie. Est-ce que vous me suivez? Les paroles que vous dites, c'est des semences. Et vous vous créez un jardin autour de vous. C'est pour ça, des gens qui sont toujours... Mais ils se font un jardin. Et ça pousse. C'est pour ça qu'il y en a qui disent, « Ah, je comprends pas ce qui m'arrive. » Mais regarde ce qui sort de ta bouche continuellement. Un Pierre, chapitre 3, c'est mon message ce matin, cet après-midi. Un Pierre, chapitre 3, versets 8 et 9. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Seigneur, je te remercie que ton peuple va être béni parce que tu m'as béni. Et Seigneur, mon désir dans mon cœur, c'est que personne ne sorte d'ici sans avoir été touché par toi, sans avoir été transformé par toi. On te donne toute la gloire, on te donne toute l'honneur, et je te remercie, Seigneur. Amen, amen. Vous savez, il n'y a rien de plus important. Hallelujah. Dieu ici, soyez tous animés des mêmes pensées. C'est important d'être unis. Être unis. Dans l'unité, il y a la puissance de Dieu. Dans la division, il y a la puissance du diable. Amen. Dans l'unité, c'est pour ça que je vous encourage comme homme de Dieu ici qui passe. Soyez, supportez votre homme de Dieu ici. Soyez unis avec la vision qu'il a. Sa vision est ici. Alléluia. Il y a les armes à cœur, l'évangélisation. Il y a la délivrance et la guérison. La formation des disciples. Elle est faite de toutes les nations des disciples. La préparation du retour de Jésus. Ça nous motive de savoir. Et je crois, je ne sais pas s'il reste des séries, soyons prêts pour son retour. Je pense qu'il y en a deux ou trois qui restent. Je parle de l'islam dedans. Vous devez écouter ça. C'est soyons prêts pour son retour. 5. La mission et l'implantation d'Église. 6. La manifestation de l'amour de Dieu. Amen. Moi, je veux que quand les gens rentrent ici,
à l'église de la résurrection. Quand les gens ressentent l'amour. Vous savez, quand ils rentrent au centre réveil à Ottawa, les gens disent, on rentre dans le stationnement, aussitôt qu'on rentre dans l'église, on se sent aimé. On se sent aimé. À même pas juger. On se sent aimé. Pas condamné. On se sent aimé. Peu importe si les gens arrivent avec les cheveux en pic-pic. Et mon fils, Mathieu, un jour, il avait les cheveux, il s'est rebellé. Il avait les cheveux pic des abs. Tout rasé sur le côté. Et je veux juste encourager que peut-être une maman ici. Il me faisait honte. Est-ce que vous me suivez? Il me faisait honte. Il s'est détourné de Dieu, mais il venait à l'église. Il n'avait pas le choix parce qu'il restait chez nous. Puis il dérangeait le monde dans l'église. Je devais même arrêter de prêcher des fois. Je disais, Mathieu, ça suffit. Mais je veux juste vous dire, je ne me suis jamais découragé. Amen. Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Et chaque soir, quand mes deux gars se couchaient, puis je tiens à vous dire, j'ai dit à ma femme, les femmes, lâchez. Quand ça va bien, c'est vos fils. Quand ça va mal, c'est ses fils. Un petit secret ici. Et j'ai dit à ma femme, on n'a plus rien à faire. Mathieu dessinait des dessins. J'étais découragé. Est-ce que vous me suivez? Des dessins d'un gars avec un fusil dans les mains qui faisait un hold-up dans un dépanneur. Bon, sa tête était rendue là. Il y avait une petite pègre, il vendait de la drogue et tout. Et un soir, on pensait, on était couchés, papa et maman, et tout d'un coup, ça frappe à la porte. Il était 2h du matin, on se demandait c'était quoi. C'était les gendarmes avec mes deux fils en arrière qui avaient été voler une caisse de coke. De coca. Fait que j'ai arrêté. Là, j'ai dit, ma femme, on a pleuré les deux. On s'est mis à genoux. Puis on les a abandonnés à Dieu. Dieu, on a tout fait pour eux. On a tout fait. Je sais qu'il y a des parents, des fois, je veux vous encourager ici. Chance, si je dis cette histoire, c'est pour encourager les parents ici. On a tout fait ce qu'on pouvait pour eux. Seigneur, je te les abandonne à toi. Et croyez-le ou non, au moment où ma femme s'est unie avec moi, parce que je les reprenais avant, puis elle me reprenait. Et il le savait dans l'esprit qu'on n'était pas unis. Et j'ai dit, Louis, je veux que tu m'appuies, même si je fais une erreur, s'il vous plaît, laisse-moi. Parce que je les reprenais, ah, c'est pas comme ça. Et à la fin, ma femme a abandonné. J'ai dit, laisse-moi faire mes erreurs. On s'est unis ensemble. Et le soir, quand ils étaient couchés, j'allais prier sur eux. Je dis, Seigneur, je te remercie pour mes deux hommes de sagesse. Je te remercie pour mes hommes qui te suivent. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Alléluia! Et vous savez, j'ai engagé mon fils. Je leur payais tant de l'heure pour venir avec moi sur la route pour attraper les gens qui tombaient quand je priais. Je leur donnais 5 $ de l'heure parce que c'est ce qu'ils gagnaient aux États-Unis. Et j'ai engagé les deux. Mais à la longue, eux étaient en arrière des gens. Mais la puissance de Dieu les frappait. Et qu'est-ce que j'ai su? La puissance les a foudroyés les deux. Et qu'est-ce que j'ai su à l'appel au salut? Les deux ont levé la main. Ils sont revenus à Jésus-Christ. Et Mathieu est pasteur aujourd'hui. Amen. C'est lui qui me remplace. Fait que découragez-vous pas, les parents. Amen. Je veux vous encourager aujourd'hui. Alléluia. Vous savez, la puissance de la parole. Amen. J'ai quelque chose ici dans mon livre à la page. Je vais vous lire un autre témoignage. Au premier service, je vous en ai lu un. Mais vous lire un témoignage ici. Écoutez bien attentivement. Une femme d'un certain village était l'épouse d'un homme merveilleux. Mais celui-ci était peu doué intellectuellement. Se basant sur la parole de Dieu, elle commença à déclarer uniquement de bonnes choses au sujet de son mari. Malgré tout ce que les gens pouvaient dire,
de négatif à son propos. Incompétent, maladroit. Elle l'appelait sage, doué, intelligent et confessant qu'il était le plus prospère et influent de la ville. Avec le temps, son mari devint de plus en plus sage au niveau des affaires et on le respecta à cause de ses succès. Il devient prospère et eut une très grande influence dans sa ville. Pour l'évangile de Jésus-Christ, cette femme sage, tout comme le Proverbe 14:1 dit, la femme sage a bâti sa maison. Il y a une puissance avec votre bouche. Alléluia, vous devez commencer à le réaliser. Vous devez commencer à le voir. Même les païens le réalisent, frères et sœurs. Aimeriez-vous que je vous lise le témoignage, j'ai lu au premier service aussi. C'est page 52 dans mon livre. Écoutez bien. Il est prouvé scientifiquement que les paroles que nous prononçons ont la puissance de nous conduire au succès ou à l'échec. Une expérience intéressante a été menée par des centaines de familles japonaises. Celles-ci ont rempli deux bocaux de verre avec des grains de riz. Et chaque jour, tous les membres des familles impliquées se sont adressés au contenu de leurs bocaux respectifs en disant « Merci à l'un et tu es stupide à l'autre ». Tous les membres de chaque famille, y compris les enfants, s'adressaient aux bocaux de la même manière et ça plusieurs fois par jour. Après un mois, toutes les familles ont observé les mêmes résultats de leur riz auquel on avait dit merci, avait commencé à fermenter et dégageait une douce odeur de malt. Tandis que le riz auquel on disait « tu es stupide » avait pourri et noirci. Les mamans, que dites-vous de votre mari? Si tu l'appelles stupide, tu vas avoir un bon stupide. Il va pourrir à côté de toi. Et on continue l'expérience et on fait la même chose. Rien dire à quelqu'un aussi, c'est pire encore. Ceux qui gardent le silence, moi je dis à ma femme, 25 fois par jour, je t'aime ma chérie, je t'aime mon amour. J'ai même dit quand je suis arrivé à Paris, j'ai dit, tu sais Louise, parce qu'on vieillit, puis en vieillissant, hein, écoutez, il faut être honnête aussi, on a du poil ou ce qu'on n'en veut pas dans les oreilles, dans le nez, ou ce qu'on en veut, on en a moins. Puis je lui disais, tu sais ma chérie, il y en a qui comprennent ce que je veux dire ici, hein? Je disais, tu es belle. Si je te trouve belle, Louise. Mais elle, savez-vous qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle dit, moi aussi, je te trouve beau, Jean. Hallelujah! Écoutez bien, vos paroles, c'est soit qui vont amener la vie à quelqu'un ou la mort. C'est pour ça que Dieu nous dit, il ne faut pas qu'ils sortent de la même bouche de l'eau douce et de l'eau amère. C'est pour ça qu'il y en a des gens qui disent, je ne sais si ça n'existe pas à Paris, les critiqueurs. Tu sais, il se passe qu'ils... Je les appelle les boulettes de l'église. Ton téléphone, t'as-tu plus... Pour qui le pasteur se prend? Oh là 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 là, as-tu vu ça? Ça, c'est les critiqueurs, les boulettes. Est-ce qu'il y a une équipe de boulettes ici à l'église? Non. Est-ce qu'il y en a qui font partie de l'équipe des boulettes? Levez la main. Ils pondent des œufs. C'est important. C'est important. Amen, amen. Je vous dis, c'est pour ça que Dieu nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen, amen. Vous avez besoin de miracles? Appelez la guérison. Elle vous appartient.
Dieu appelle les choses qui ne sont pas. Ça ne veut pas dire que c'est là encore. Je constate que je suis malade, mais la vérité est, c'est que je suis guéri. Voyez-vous la différence? Amen. On ne peut pas renier si on est malade à quelque part. Mais confessez pas vos maladies. Il y en a qui étudient plus leur maladie. Si tu savais, tu poses une question à quelqu'un. Hey, comment ça va? Oh, si tu savais, j'ai le chrome et ça déchromé, ça chroma et ça fait du chromémi. Et là, je suis plein de chroma même Amazon et je chrome tous ceux qui viennent autour de moi. Et il étudie plus la maladie qu'étudie la parole de Dieu. Il y a des gens, j'ose même pas leur demander, je les vois venir à l'église. Oh, elle, je ne demande pas comment ça va, parce qu'elle va me dérouler toutes ces maladies. Et il y en a qui sont tellement négatifs que si tu touches une batterie, elle tomberait morte. Il y a des gens qui sont tellement étroits qu'ils sont capables de regarder dans le trou d'une serrure avec leurs deux yeux. Je veux juste vous encourager ce matin. Amen. Décidons. Le titre de mon message, c'est bénissons. Bénissons. Trop souvent, on attend que les personnes soient dans leur cercueil. Vrai ou faux? Tu vois ça, en tout cas au Canada, le cercueil est ouvert, le monde. Ah, mon chéri, mon amour! Pauvre gars. Si on avait attendu ça quand il était vivant, il ne serait pas mort. Et souvent, on se dit qu'on s'aime, mais il n'entend plus rien, il n'est plus là. Si on avait attendu ça, je vous dis, des fois, une parole peut garder quelqu'un en vie. Une parole peut garder quelqu'un en vie. J'ai une série sur l'enfer, il y a quelqu'un du Liban. La semaine passée, je crois, une sœur y a amené, y a fait écouter sur l'enfer. La sœur s'en allait s'enlever la vie. Après qu'elle a écouté l'enseignement sur le DVD sur l'enfer, a redédié sa vie à Jésus-Christ et elle a le goût de vivre. Frères et sœurs, amen, c'est important. C'est important. Bénir veut dire une bonne parole à quelqu'un. Dire une belle parole à quelqu'un. Dire, c'est de souhaiter quelque chose de bien à quelqu'un. Est-ce qu'il y en a ici qui ne sont pas mariés chez les femmes? Levez vos mains. Tous ceux qui sont... Levez-vous, juste un instant. Je veux juste faire quelque chose ici. Levez-vous, tous ceux qui ne sont pas mariés, je veux prier pour vous. Attention, tous les hommes qui ne sont pas mariés, regardez. Il y a un bon choix, là. Seigneur, prenez votre temps, les femmes. Prenez votre temps. Parce que quand tu es marié avec un beau jour, c'est long. Seigneur, trouve-leur des bons maris. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Les hommes, ceux qui ne sont pas mariés, levez-vous. Regardez les femmes. Faites semblant de rien. Oh, il est mignon, lui. Oh. Bon, faites semblant de rien. OK, c'est bon, vous pouvez vous dire, Seigneur, bénis-les. Au nom de Jésus. Et, écoutez bien, je vais vous raconter une petite histoire, je ne l'ai pas racontée au premier service. Un jour, je prêchais en Suisse, dans une des plus grandes églises là-bas. Il y avait un groupe de jeunesse qui dansait, des jeunes, c'est des jeunes filles, des jeunes garçons. Il y avait une jeune fille dans le groupe. Et j'ai dit à ma femme, avant que j'aille prêcher, regarde cette jeune fille-là. J'ai dit, je la déclare pour un de mes garçons. Ma femme a dit, arrête Jean. J'ai dit, non, regarde-la, Louise. Je la déclare pour un de mes gars. Mes gars n'avaient rien entendu parler de ça. Et Mathieu était resté. Ma femme a dit, je pense qu'elle est fiancée. J'ai dit, je m'en fous. Je la déclare pour un de mes gars. Vous savez, dans l'Ancien Testament, c'est les pères qui choisissaient. Hein? Et un jour, j'étais en Afrique, à la Côte d'Ivoire. Et mon fils était resté, Mathieu,
chez une ferme, c'est un de nos amis qui a une ferme là-bas, et il appelle sa mère un jour. Il lui dit, « Maman, je suis en amour. » Et là, maman était triste un peu. J'ai dit, « Louise, coupe le cordon ombilical. Coupe. Moi, avec qui? » Il savait rien de ça, mon fils. Elle dit, « Tu te souviens, la jeune fille? » Ah! J'ai dit, « Gros lot, j'ai gagné le loto. » J'ai gagné le jackpot. Et c'est une femme extraordinaire pour mon mari. Écoutez bien. Vous pouvez influencer le destin de votre vie par vos paroles. C'est pour ça que je dis, amen, vous créez un chemin avec les paroles de votre vie. C'est pour ça qu'il y en a qui sont dans les mauvaises herbes, ça fait longtemps. Arrêtez de confesser toutes sortes de choses. Personne m'aime, personne ne va jamais m'aimer. T'as plein de mauvaises herbes autour de toi. C'est pour ça que personne ne veut t'approcher. Et je veux juste vous encourager. Soyez une bénédiction. Moi, mon plus grand désir, c'est d'être une bénédiction tandis que je suis vivant. Combien de temps qu'il me reste sur la terre, je crois que notre temps est court. Avec tous les malades, tout ce qui se passe dans le monde, encore ce matin en Angleterre, je ne sais pas si vous avez écouté ça dans les nouvelles. Écoutez-moi, ce n'est que le commencement. Parce que Satan est déchaîné. Et avant, Satan pouvait se cacher. Maintenant, il ne peut plus se cacher. Mais je vois d'un autre côté l'Église de Jésus-Christ qui va s'élever. Amen, comme un géant qui va marcher sur Paris. Alléluia! Avec la puissance du Saint-Esprit pour marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Est-ce que vous me suivez? Aucun démon de l'enfer. Et c'est pour ça que je veux vous encourager. Décidez à partir d'aujourd'hui, je vais être une bénédiction jusqu'au retour de Jésus-Christ. Je veux que quand mon Dieu revient, Amen, que j'en sois trouvé. À moi qui me tue en prêchant l'Évangile, ça ne me dérange pas. Est-ce que vous me suivez? Ma vie est à Jésus. Et j'ai passé deux fois proche de la mort. J'ai eu la malaria et j'étais sûr que je m'en allais. Je sentais les anges tout autour de moi. J'ai dit, je suis prêt, Seigneur. Viens me chercher. Puis après ça, là, j'ai pensé à ma femme et mes enfants. Mais j'ai dit, pas tout de suite. Permets-moi d'aller embrasser ma femme au moins. Et croyez-le, miraculeusement, j'en suis sorti. Vous savez, si aujourd'hui est votre dernier jour sur la terre, quelle odeur allez-vous rester? Quelle odeur qui sort de votre vie de chrétien? Bénissez, frères et sœurs. Bénissez, c'est important. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Proverbe 11:11. Proverbe 10:22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Écoutez bien, il y a des gens qui sont bénis. Ah oui, je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver. Non, c'est faux ça. Changez. Vous avez appris ça dans l'occultisme. Il y a des gens qui sont bénis. Oh, il va bien m'arriver quelque chose de grave là. Non, Dieu fait suivre sa bénédiction d'aucun chagrin. Moi, si je vous disais, je suis de plus en plus béni. Je suis de plus en plus comblé. Je ne peux pas vous dire comment Dieu m'amène devant des présidents, des femmes de présidents. Mon épouse et moi, on était dans un pays, puis le président nous a invités 4 fois à manger chez lui, dans ses palais, avec ma femme. Roi Jean. Il y a quoi, frères et sœurs?
quand tu marches avec Dieu et ton cœur n'est que bénir les autres. Amen, amen. Je ne cherche pas les positions, je cherche l'onction. Vous pouvez m'appeler petit Jean, n'importe quoi, apôtre Jean, pas apôtre Jean. Je m'en fous! Je veux l'onction. Il y en a qui cherchent les titres, mais il n'y a pas d'onction. Est-ce que vous me suivez? Hallelujah! Et c'est pour ça, même quand j'étais pasteur à mon église, les gens nous ont honorés. Et je veux que vous honoriez cet homme de Dieu-là. Je l'ai fait au premier service. C'est toi l'ancien, hein? Je vais vérifier si tu obéis. Et j'ai dit à l'ancien ce matin au premier service, savez-vous qu'est-ce qu'on faisait pour nous honorer, mon épouse et moi, à l'église comme pasteur? Deux fois par année, on prenait des offrandes pour nous. À ma fête et à notre anniversaire de mariage. Et c'est un signe, écoutez bien, attentivement. Je sais qu'il y en a qui ne comprennent pas, qui pensent que c'est une affaire d'argent. Ce n'est pas une affaire d'argent. Enlevez ça de votre tête. Votre prospérité dépend de leur prospérité. De la façon que vous allez les bénir. Ça, c'est une chair ici que vous voyez. Colle-toi, maman, contre papa un peu, là. Mon Dieu! Réchauffe ton mari un peu, là. Et de la façon vous allez les bénir, c'est pour ça que je recommande aux anciens, êtes-vous d'accord que deux fois par année, qu'on prenne une offrande pour l'homme de Dieu? Nous, il prenait assez, pasteur Douglas, pour nous envoyer en voyage dans un beau 5 étoiles. J'espère que vous n'êtes pas jaloux, hein? Il y a des gens qui disent, « Moi, j'y vais pas dans les 5 étoiles. » Amen. Je tiens à vous dire, écoutez bien, le roi, j'ai connu des rois, des gens d'autorité, et le roi Josaphat a compris cela. Il dit, confiez-vous en l'Éternel et vous allez réussir. Confiez-vous en ces prophètes. Ce prophète ici, c'est celui qui parle au nom de l'Éternel. Celui qui parle au nom de l'Éternel dans votre église, c'est qui? C'est pasteur Douglas. Confiez-vous, ça veut dire, prenez soin de lui et vous allez prospérer. Prenez soin d'eux et vous allez prospérer. Moi, je vous dis, plus les gens prenaient soin de moi, et même quand je me promène, plus les miracles éclatent. Le moins qu'ils veulent me bénir, ça ne me dérange pas, parce que je ne le fais pas pour la bénédiction. Amen. Est-ce que vous me suivez? Je ne le fais pas non plus. Demandez à pasteur Douglas, est-ce que j'ai demandé de l'argent? Du tout, je n'ai rien demandé. Et je fais des places où ce qui ne me donne rien. Ben pour moi, c'est des voleurs. Ce n'est pas moi qui vole. Parce que s'ils ne savent pas prendre soin de l'homme de Dieu, amen, amen. C'est pour ça, la veuve à Sarepta. Hallelujah. Elle a servi l'homme de Dieu. Elle en a eu assez, elle et son enfant. Frères et sœurs, il y a un principe que vous devez comprendre ici. Si on apprend à bénir l'homme de Dieu, amen, on va être béni dans notre famille. On va être béni dans notre vie. Écoutez bien, je vous encourage à le faire. Pourquoi qu'on devrait bénir les autres? Vous savez, on a été créé à l'image de Dieu. Dis à ton voisin, « Wow, tu es à l'image de Dieu. Tu es beau, tu es belle. » Regardez autour de vous, c'est ça que Dieu a l'air. On est le corps de Christ. Regardez, Jésus est la tête. Regardez. Il y en a des petits, des gros, des moins gros, des longs, des petits, des courts. De toutes les couleurs, blanc, brun, noir. C'est le corps de Christ. Et Dieu nous aime. Quand Dieu nous a créés, Genèse 1, 28, Dieu l'est béni. Pourquoi qu'on devrait bénir? Parce que c'est dans le cœur de Dieu. Écoutez bien, si vous saisissez le cœur de Dieu, vous avez tout. C'est pour ça,
Moïse a dit, Seigneur, fais-moi connaître tes plans. Tu fais connaître tes œuvres aux enfants d'Israël, mais moi, je veux connaître tes plans. Je veux connaître toi, Seigneur. Parce que si tu connais les plans de Dieu, ça va te donner toutes les œuvres de Dieu. Alléluia. Comme Salomon, quand il a prié, Seigneur, donne-moi la sagesse et le discernement de bien diriger ton peuple. Tout le monde est là? Amen. Tout le monde me suit? Genèse 1, 28, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Si on peut s'occuper du petit là-bas, ça serait apprécié, hein? Multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu les bénit. Dieu, tout à l'heure, je vais prier pour chacune des personnes. Écoutez bien. J'ai prié sur des grands hommes de Dieu. Hallelujah! Et il y a des gens qui reçoivent, puis il y en a d'autres qui ne reçoivent pas. Et je sais qu'est-ce que Dieu a mis sur ma vie. Et qu'est-ce que Dieu a mis sur ma vie? Amen, amen. Il y en a beaucoup qui l'ont reçu, il y en a d'autres qui n'ont rien reçu. C'est seulement par la foi. Je sais, moi j'ai reçu beaucoup aussi de... Non, je ne voulais pas qu'il prie sur moi, puis finalement je l'ai fait prier sur moi. C'est Randy Clark. Et un jour, Randy est venu et a prié pour moi. Et je voyais des miracles avant. Mais depuis qu'il a prié pour moi, je t'en ai avec vous. J'ai même écrit, il m'a même amené témoigner aux États-Unis. Je vois plein de miracles de la grandeur de Dieu. Ça veut dire l'onction, ça ne prend pas, ça s'attrape. Ça s'attrape. Amen, amen, amen. Et tout à l'heure, je vais prier pour chacun, ceux qui désirent. Si vous ne voulez pas, venez pas. Ça ne me dérange pas, mais je sais qu'est-ce que Dieu. Amen. Kaku Séverin a reçu pleinement. C'est un fils pour moi, Kaku aussi. Kaku était chez moi 2 mois avant qu'il meure au Canada, dans mon salon avec moi. Kaku me suivait partout quand j'allais à la Côte d'Ivoire. Et Dieu m'a fait prophétiser sur lui devant tous les pasteurs. Il n'était même pas content que je prophétise parce que personne ne connaissait Kaku. Et j'ai dit, Dieu va utiliser ce jeune homme-là. À la Côte d'Ivoire, Dieu va l'élever. Remarquez bien ce que je vous dis. Et c'est exactement ça ce que Dieu a fait. Ceux qui ont connu son ministère, en tout cas, Dieu l'a utilisé puissamment. Et pasteur Bernard Conan aussi, mon fils spirituel. Amen, amen. Dieu, maintenant, il est en charge de 600 églises. Je sais ce que Dieu a mis sur ma vie. Pasteur Bernard, quand il était avec moi, il me fatiguait. Je suis honnête avec vous. Il m'amenait partout en voiture, puis il criait, « Plus, Seigneur! Plus! » Puis il voulait toujours que je prie sur lui. Il ne me lâchait pas. Plus qu'il y a une soif, j'ai vu des places, les gens nous attendaient, juste qu'on passe en voiture, ils attendaient toute la journée. 10 heures de temps, il était à l'église pour juste qu'on aille les bénir. Je vous dis, on faisait juste ouvrir la bouche et la gloire de Dieu tombait sur toute l'assemblée. Je veux vous encourager. Dieu vous a appelé à être une bénédiction. Dieu vous a appelé à être une bénédiction. Est-ce que vous me suivez? Dieu vous a appelé à être une bénédiction. Jésus est notre exemple aussi. Jésus n'est pas venu pour condamner le monde. Mais Jésus est venu pour sauver le monde. Acte 3, 26, c'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Amen. Je veux vous encourager. Écoutez bien ce que je dis ici. Si vous commencez à vous bénir, si quelqu'un, amen, frappe le gros lot, soyez pas jaloux de lui. OK? La jalousie va vous empêcher de prospérer parce que c'est le contraire. Soyez heureux si quelqu'un prospère.
Je vous dis, si vous vous bénissez les uns les autres, je remarquez mes paroles aujourd'hui, il va y avoir plusieurs multimillionnaires qui vont s'élever dans cette assemblée. Hallelujah! Dieu va même vous donner des rêves. Comment faire une entreprise? Dieu va vous donner des idées qui vont venir du ciel. Comment prospérer? Et je veux vous encourager face à ça. Soyez une bénédiction. Amen. Quelqu'un est béni, il y a une belle voiture. Soyez pas jaloux. Dites, Seigneur, merci. Parce que les francophones, on a cette habitude, nous. On est jaloux souvent. Ah oui, le voleur, il aurait dû voler. Qu'est-ce qu'il a fait pour avoir ça? Soyez heureux quand quelqu'un est béni. Moi, je vais être heureux un jour si je reviens, si Dieu permet. Et je vois cette église rendue à 5000 personnes. Hallelujah! Arrêtez d'avoir une petite mentalité. Dieu veut vous bénir. Arrêtez de penser aux miettes. Dieu veut vous donner la boulangerie. Dieu veut vous donner au-delà de ce que vous pensez et même vous imaginez. Dieu veut vous bénir au-delà de tout ce que vous pouvez faire. Dieu va faire des miracles. Dieu va utiliser des petites femmes, des grands-mères. Dieu a mis des choses en vous et Dieu va se manifester dans toute sa puissance parce qu'il est Dieu, il est le Tout-Puissant et aucun Dieu n'est comme lui. Aucun Dieu n'est comme lui. Et de la façon qu'il va agir, lui seul va avoir la gloire. Parce que Dieu va faire tellement de grandes choses, que l'homme ne pourra pas dire, c'est la force de mon bras qui m'a acquis ça. Mais c'est la force du Dieu Tout-Puissant qui a fait ce miracle au milieu de nous. Oh, frères et sœurs, amen, amen. Abraham a béni Isaac. Isaac a béni Jacob. Et Jacob a béni les 12 tribus d'Israël. C'est pour ça les Juifs, c'est les plus riches dans le monde entier. Pourquoi? Parce qu'ils s'encouragent entre eux. Amen. Ils se bénissent entre eux. Et ce n'est pas juste pour les Juifs. Nous, on fait partie maintenant de cette société. Alléluia. Alléluia. Et il faut comprendre le plan de Dieu si on veut prospérer. Et je parle à tous égards, ça veut dire dans votre santé, là, partout. Mais n'oubliez jamais l'ordre que Dieu a placé ici. Amen. L'Éternel parla à Moïse, Nombre 6, 22. Dieu, ce n'est pas un Dieu de confusion. Il va toujours parler aux dirigeants avant. Après, le dirigeant va parler. Il dit, parle à Aaron et à ses fils. Il dit là, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous bénirez ainsi les enfants. Écoutez-moi, l'Église de la Résurrection, à partir d'aujourd'hui, on se bénit. On s'encourage entre nous. Amen. On se donne une tape dans le dos. Hallelujah. Merci d'être là. Merci d'être là. Et n'oubliez pas, ce n'est pas un Dieu de confusion. Si Dieu veut faire quelque chose, il va parler au pasteur Douglas avant de parler à n'importe qui. Amen. Moi, les prophètes viennent me voir. Amen. Je travaille avec une équipe de prophètes aussi. Mais jamais il me donne la direction. Dieu a placé premièrement dans l'Église les apôtres. Après ça, les prophètes. Deuxièmement, dites deuxièmement, les prophètes. Et quand un prophète vient me voir, « Oh, pasteur, tu devrais faire ça! » Et si Dieu ne m'a pas parlé encore, je peux dire, « Écoute, assis-toi, as-tu mangé trop de pizza hier soir? » Dieu ne m'a pas parlé. Mais je ne parle pas comme ça non plus, parce que les gens me respectent beaucoup. Et la plupart du temps, les prophètes qui sont dans notre église confirment, soit un rêve que j'ai pendant la nuit, eux rêvent la même chose. Ils arrivent le lendemain matin, « Pasteur, tu sais que j'ai rêvé. » Et moi, j'ai rêvé la même chose. Et tout confirme. Voyez-vous,
l'unité de l'ordre céleste de Dieu l'Éternel par la Moïse. Il dit par Aaron et à ses fils. C'était les sacrificateurs. Et vous leur direz. Que l'Éternel te bénisse. Et c'est ça que je veux pour chacun de vous. Que l'Éternel te bénisse. J'ai dit, le frère est très loin pour diriger la louange. Amen. Puis merci frère aussi, puis le bâtard. Vous faites un excellent boulot. Et tous les chants aussi. Amen. Love you. Je suis en amour avec vous, mais je vous aime, mais je vous aime, dit l'Éternel, aux désarmés, oh je vous aime, oh je vous aime. Je déclare que cette église va être une église d'amour et non de jugement et de condamnation. Hallelujah! Hallelujah! Je déclare que les âmes vont rentrer, pas des transferts d'église, mais les âmes nouvelles vont venir à Jésus. Hallelujah! Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Comment va la santé? Amen. Dieu est préoccupé. Voyez-vous le cœur de Dieu? Moi, j'ai tellement souffert. Si vous saviez comment j'ai souffert 3 ans passés, j'étais sur le bord de la mort. Imaginez-vous, on m'avait opéré pour la prostate et j'ai tout perdu mon sang. Et le médecin ne savait plus quoi faire. Ça faisait la 2e fois que j'ai été opéré. Et le médecin était là, découragé au complet. Il dit, j'ai jamais vu un cas comme ça. Et il a été voir ma femme et le chef intercesseur pour les préparer à ma mort. Et ma femme m'a dit, le médecin a dit, ton mari est très, très malade. Savez-vous qu'est-ce que ma femme m'a dit? Mon mari est très, très en bonne santé. Et mon mari va vivre. Alléluia, elle a refusé le diagnostic du médecin. Alléluia, ils sont venus. Amen, avant qu'ils me rentrent 2e fois dans la salle d'opération. Ils ont prié pour moi, le chef intercesseur. Et vous savez, quand tu souffres, je souffrais tellement. J'ai tout perdu mon sang. Je suis blanc là, mais j'étais encore plus blanc que ça. J'ai perdu tout mon sang. Et je m'avais abandonné à la mort. Et l'ennemi essaie de m'accuser. C'est l'accusateur des frères. Est-ce que tu as fait quelque chose de mauvais? Amen, amen. C'est l'accusateur des frères. Et je n'avais pas expérimenté. Et ma femme a prié pour moi. J'ai une petite femme de foi. Alléluia. Ils ont prié pour moi. Et soudainement, juste quand je rentrais dans la salle d'opération, il y avait plein de médecins. Il y a un cocon qui m'a enveloppé sur l'amour. J'étais enveloppé de l'amour de Dieu. Et à partir de ce moment-là, je savais que j'étais guéri. Amen. J'ai passé une autre semaine à l'hôpital, mais je vous dis, j'étais plus blanc que les draps blancs. Et ça, c'est blanc à terre. Hein? Mais j'étais plus blanc que ça encore. Et c'est là Dieu m'a donné. C'est pour ça, je vais prier tout à l'heure pour les malades, mais je ne prie pas pour faire un spectacle. Je prie parce que quand tu souffres, il n'y a rien de pire que les gens qui souffrent dans leur corps, qui souffrent dans leur vie. Il y a tellement de gens qui souffrent ici à Paris. C'est pour ça que Jésus veut vous utiliser. À ce que vous soyez une bénédiction pour tous ces gens-là.
Alléluia. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Amen. Vous savez, je veux juste vous encourager. C'est important qu'il fasse luire sa face. C'est important d'avoir un beau sourire. Mais écoutez bien, votre cerveau ne connaît pas la différence. Est-ce que vous saviez ça? Quand tu souris, c'est prouvé médicalement. Il y a de l'endorphine qui sort de ta tête, de ton intelligence, qui s'en va dans ton corps, qui augmente ton système immunitaire de 35 à 40%. Et ton intelligence ne connaît pas la différence. Fais un sourire. Même s'il est forcé. C'est-tu beau quelqu'un qui sourit? Il n'y a rien de pire. Ceux qui ont des visages de citron, qui ont mangé une boîte de citron pour souper. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Je veux rien savoir de ton Dieu, hein? C'est comme un jour, il y avait une voiture en avant de moi, puis c'est écrit klaxonne si tu aimes Dieu. Je klaxonne. Et le gars sort son poing dehors, il me faisait. Il avait oublié sa pancarte en arrière. C'est important, un beau sourire. Chaque matin, quand je me lève, je suis honnête avec vous. Je remercie Dieu pour un autre jour qui me prête sur la terre. Amen. C'est bon, la vie. C'est bon, la vie. C'est beau, la vie. Hallelujah. Et ma femme et moi, chaque matin, on prie. On prie dans la même pièce. Mais t'entends des fois, et elle lit quelque chose dans la parole. Ouh, elle devient excitée, elle me le dit. Moi, je deviens excitée, je lui dis. On se bâtit l'un et l'autre. Parce que j'ai décidé, si ma femme serait ici, elle pourrait vous le dire. J'ai pas deux visages. J'ai pas le visage du prédicateur et le visage de quelqu'un d'autre qui est à la maison. Ce que vous voyez ici, c'est ce que je suis à la maison. Même ma femme est bénie. Es-tu bénie, ma femme, oui ou non? Personne ne dit amen. Et je suis béni de l'avoir. Je ne sais pas pourquoi, mais ce matin, je m'ennuyais un peu d'elle. Tu sais, après 46 ans de mariage, j'aime ma femme. Et j'ai décidé de l'aimer jusqu'au bout. C'est la partenaire que Dieu m'a donnée sur la terre. Et je vais l'aimer jusqu'au bout. Et je veux vous aimer aussi jusqu'au bout, comme Dieu vous aime. Vous savez, j'aime. Aujourd'hui, je regardais de ma fenêtre, puis je disais, Seigneur, bénis Paris. Bénis les gens. Bénis cette ville de Paris. Si tu n'aimes pas les gens ne sont pas fous, ils le savent. Vrai ou faux, tu ne peux pas jouer de jeu. Et pour être une bénédiction, parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Est-ce que vous me suivez? Dieu aime son petit gars ici. Oh, qu'il aime son petit chouchou. Il aime son petit gars. Amen. Il voit que tu as un cœur pour lui, Dieu. Il voit que ton désir dans ton cœur, c'est de le servir. Et son amour pour toi ne te délaissera jamais. Il va être avec toi jusqu'au bout. Fais juste persévérer, même quand c'est dur parfois. Laisse-toi pas l'âme découragée. Sois l'homme de Dieu que lui t'a appelé à être. Sois une bénédiction. Ah, je te prie de dépenser mon temps. C'est pour ça, si vous avez de la misère, être heureux, demandez la grâce à Dieu. Seigneur, j'ai un visage long. Tu peux lui dire ça. S'il vous plaît, viens me remonter les deux coins ici un petit peu. Et je vous dis, faites un effort. Il y
y en a qui font ça sourit, j'ai tellement peur que ça descend par en bas. Et ils ont le chant du chrétien misérable. En quelle clé tu es? De moi un mineur. En mineur? Oh, ils sont. Et leur chant favori, c'est misérable que je suis. Quand je serai au paradis, je serai heureux, hurra. Je serai heureux, hurra. Jusqu'à présent, ça va pas. Merci. Hallelujah. Ça, c'est l'église de Pasteur Freezer, avec Pasteur Cube, Sœur Cube et Frère Glasson. C'est la génération des congelés. Qu'il vous accorde sa grâce. OK, écoutez bien. Je ne veux pas que personne se sente condamné. Est-ce qu'il y en a qui se lèvent de mauvaise humeur ici le matin? Levez vos mains. Ah! Trois personnes. Est-ce qu'il y a des menteurs ici? Ah, toi? OK, merci. Et écoutez bien. Demandez la grâce. La grâce, c'est juste un cadeau de Dieu. OK? Je ne vous accuse pas. Mais si vous avez le visage long en vous levant le matin... Amen. Dis, Seigneur, donne-moi ta grâce. La grâce, ce n'est pas quelque chose que tu mérites. C'est quelque chose qui s'est mérité à la croix de Golgotha, afin que tu fasses juste l'accepter dans ton cœur. Amen. Parce que ça ne sera pas ta force à toi. Tu dis, Seigneur, donne-moi la grâce d'être de bonne humeur. Puis je te garantis, tu vas commencer à avoir des changements. Amen. Tu vas commencer à avoir des changements. La grâce, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Amen, on reçoit la grâce. On ne peut pas acquérir la grâce. On ne peut pas acheter la grâce. Parce que Christ nous l'a acheté à la croix de Golgotha. Amen. Ça vous aide-tu? Je termine là. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Si, est-ce qu'il y en a qui se sentent seuls? Ici. Amen. Amen. T'es jamais seul, ma chouette. Que l'Éternel, qui te montre vraiment combien il t'aime, qui te donne la paix, t'es jamais seul avec lui. T'es jamais seul avec lui. Et je serai avec toi tous les jours, jusqu'à la fin. Crois-le, il est avec toi, partout où tu vas. Amen. Qu'il te donne la paix. Le mot paix ici, c'est shalom. Ça veut dire la prospérité, la délivrance, la santé. C'est pour ça les Juifs, quand tu rencontres un Juif, shalom. Ça veut dire hey, la prospérité, la sagesse, la guérison, la délivrance. Tout appartient. L'être complet appartient. Voyez-vous la différence? Amen. Ce n'est pas par votre force à vous. Il y en a beaucoup qui essaient d'être chrétiens par leur force. Je vous dis, si vous avez des problèmes sexuels, demandez la grâce à Dieu. Amen. La grâce, ce n'est pas une licence pour pécher. C'est une licence pour vous sortir du péché. Alléluia. Je vous dis, frères et sœurs, je vous dis qu'il vous accorde sa grâce. Voyez-vous, l'ennemi veut toujours te condamner, t'es pas assez bon. Puis il fait ça souvent avec toi. N'est-ce pas? Amen. Et écoute, on est sauvé par grâce, puis on va grandir par grâce. Le jour où que tu essaies par toi-même, c'est le jour où tu vas échouer. C'est pour ça qu'il y en a qui prennent plein de résolutions au jour de l'an. Je ne boirai plus. T'es rendu au soir, ils boivent. Ça vous aide à comprendre? Je vous dis shalom. Dis à ton voisin, shalom.
Voyez-vous les Juifs? Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi. Qu'il te donne la paix. Et c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. Et je les bénirai. Amen. Je ne sais pas si ça vous aide. Je les bénirai. À chaque fois que vous bénissez quelqu'un, amen, amen, Dieu va le bénir. Chaque fois que tu dis quelque chose à quelqu'un, Dieu va le faire, va le bénir. Toi, tu es prête pour un mari, hein? Tu sais, je disais à une jeune fille qui venait à notre église, écoute bien ce que je vais te dire, c'est prophétique ici. Dieu en a préparé un pour toi. Amen. Mais il est prêt, préparé pour le recevoir. Il doit te former encore. Et ton Roméo s'en vient. Dans les airs, sur les nuées. Tu vas le voir rentrer une bonne journée. Et je disais à la jeune fille, « Ah, oh, je veux me marier. » J'ai dit, « Prends ton temps. » Elle dit, « Pasteur, est-ce que je vais me marier? Je commence à être vieille, j'ai 37 ans. Prends ton temps. » Elle m'a écouté. Et là, elle a frappé le gros lot. Elle se marie dans 2 semaines. Wouh! Je veux vous bénir. L'Église de la résurrection, plus vous allez donner des paroles, amen, de bénédiction, plus c'est un jardin que vous vous faites. Puis aussi, écoutez-moi, amen, je ne l'ai pas partagé au deuxième service, mais c'est important, bénissez ceux qui vous maudissent, afin que vous soyez fils et filles de votre Père qui est dans les cieux. Ça vous aide? Moi, je vous dis, depuis j'ai mis ça, et Dieu m'a dit, c'est pour ça que je vous l'amène, ça fait la première fois que je viens ici. Il dit, Jean, partout où tu vas emmener ce message, je vais bénir cette assemblée. Je vais bénir cette assemblée. Et c'est pour ça, pasteur, remarquez bien, il va se produire des miracles ici. Il va se produire des miracles, même des miracles pour un bâtiment. Amen. Dieu va faire des miracles. Alléluia. Parce que la bénédiction, je déclare la bénédiction. Amen. Sur le pasteur et son épouse. Et Seigneur, que ta bénédiction soit sur eux. Oh, que tu les accompagnes. Amen. Que ta gloire éclate, Jésus. Que ta puissance éclate. Alléluia. Merci pour l'augmentation des guérisons et des miracles. Merci que ta gloire éclate sur eux, Seigneur. Et Seigneur, tu rallumes cette vision dans son cœur. Amen. Alléluia. Alléluia. Sache, dit le Seigneur, c'est moi qui t'ai appelé, c'est moi qui vous ai mis à part, afin que vous soyez un en moi, afin que ma gloire puisse éclater dans cette région. Sachez, dit le Seigneur, je vais faire de grandes choses, parce que je suis un grand Dieu, et je veux que vous regardiez vers moi, dit le Seigneur, et j'agirai, et je produirai du fruit à travers de vos vies, de la façon que vous vous humilierez devant moi, et de la façon que vous me laisserez agir, dit le Seigneur, j'agirai parce que j'aime mon peuple et j'aime ce que je fais, dit le Seigneur. Et préparez-vous à recevoir. Je vous parlerai dans le secret et soyez unis ensemble dans tout ce que vous allez faire et vous verrez ma gloire parce que c'est moi qui vous ai mis à part. Et Seigneur, loin ses mains maintenant. Loin ses mains, Seigneur, que les guérisons et les miracles puissent s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Hallelujah! L'ancien vient ici. Parama chandel. Oh, shakabasotoko. Seigneur, lève les mains. Que ton feu
Que ton feu descende, Seigneur. Amen. Que ta bénédiction soit sur lui. Amen. Je l'appelle Monsieur Doux. Monsieur Doux. Seigneur, merci pour la douceur. Puis un grand cœur aussi. Comme toi, tu as un très grand cœur. C'est pour ça que tu vas mettre des grands cœurs. Dieu va placer des grands cœurs autour de toi. Et Seigneur, tu vas utiliser cet homme, amen, pour appuyer ton serviteur. Pour lui élever les mains, Seigneur. Et en lui élevant les mains, Seigneur, aucune défaite ne pourra avoir lieu, Seigneur. Aucune défaite. Parce que tu, de la façon que tu vas lever les mains à ton serviteur, c'est de la façon que la victoire va être dans cette région. Dit le Seigneur, Tout-Puissant. Amen. Sois béni, toi et ta famille. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Est-ce qu'il y a d'autres anciens dans cette église? L'autre ancien arrive. C'est toi. Je vais juste vous toucher. Je ne prierai pas longtemps. Mais vous recevez avec la foi. Tu as des gars de qualité, mon fils. Pasteur, tu as des gars de qualité. Vous êtes des gars de qualité, vous saviez ça? Seigneur, utilise cette équipe, Seigneur. Qu'ils puissent être un, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, que ta main est posée sur eux. Que ta main est sur eux, Jésus. Parfois, vous ne comprendrez pas toujours avec votre intelligence, dit le Seigneur. Mais mon esprit va parler à vos cœurs. Et laissez mon esprit parler à vos cœurs. Je mets mon amour dans vos cœurs. Mon amour dans vos cœurs. Afin que vous soyez des instruments d'amour. Amen. Utilise-les pour les guérisons et les miracles. Seigneur, ce que tu as mis sur ma vie, mets-les sur leur vie aussi. Au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a d'autres anciens, toi? Lève les mains. Regarde-moi. Tu es spécial, Seigneur. Tu as de la misère à croire ça? As-tu de la difficulté à comprendre ça? Que tu es spécial? Tu es différent. Mais Dieu t'a créé comme ça. Il y a beaucoup de richesses en toi. Amen. Puis c'est comme des paroles qui t'ont toujours écrasé, qui sont venues. Je ne sais pas d'où, mais c'est venu autour de toi. Et je brise cela par la puissance du nom de Jésus-Christ. Amen. Et que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de joie soit libéré. Amen. Sur cet homme de Dieu. Ouh. Amen. Amen. Je sais, je suis tremble. Qui va se lever? Non, non. Seigneur, merci. Lève les mains. Seigneur, ce que tu as mis sur ma vie, dépose-le. Dépose-le.
Amen. C'est comme je te vois avec un bouclier dans les mains pour pousser les traits enflammés du diable. Est-ce que tu me suis? Amen, amen, amen. Les paroles qui vont venir contre cet endroit. C'est comme Dieu te place avec un bouclier dans les mains, mais aussi avec une épée, qui est l'épée de la parole de Dieu. Amen. Et tu vas être un défenseur de cette maison. Alléluia. Amen. Ouh. Sans puissance de Dieu ici. Merci Seigneur. Utilise ce jeune homme puissamment au nom de Jésus. Amen. T'es ancien? Les anciens, venez ici. J'ai pas fini avec vous. Pasteur, viens ici, j'ai pas fini avec toi. Écoute bien ça. Restez là, les trois. Oh, les quatre. Arrive, toi. Arrive, arrive, à côté de moi. À la droite du Père. Non, non. Place-toi là. OK? Toi là, pousse un peu. Là, on va se mettre un en face de l'autre. Oh, maman, je suis content que tu viennes. Tiens, on va se placer ici. Écoutez-moi, on est une équipe ici. On est un ensemble. Amen. Écoutez bien, vous allez passer ici et on va vous imposer les mains. Amen, amen, amen. Et ceux qui veulent un miracle, une guérison, n'importe quoi, hallelujah. Ceux qui veulent être utilisés de Dieu, vous allez passer ici, on va vous imposer les mains et vous allez continuer à marcher et vous asseoir à votre place après. On va commencer avec ce groupe ici. Ceux qui désirent seulement, après ça, ce groupe-là, ce groupe-ci, ce groupe-là, et vous autres, on vous garde pour dessert. Ceux qui désirent, Seigneur, on te remercie, on peut chanter un chant. Frère, vas-y. Du temps vous passez. Hallelujah! On impose les mains. Come on! Feu de Dieu! Marchez tranquillement. Feu! 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 Recevez! Recevez avec foi! Recevez avec foi! Recevez avec foi! Amen! Feu de Dieu!